Bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues Le Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Adeline Pasteur et nous allons, qui est auteure du livre Mon cancer, quelle chance aux éditions Mama Édition. Alors, bienvenue Adeline. Merci, bonjour Suzy. Merci, merci d'être là avec moi ce soir. Ce soir pour vous, c'est pour ça que je dis toujours bonjour et bonsoir. Hein? Chez nous, c'est l'après-midi, chez vous, c'est le soir. Hein? Et puis, bon, ton livre m'a interpellée parce que c'est surtout le titre, hein, ça frappe. Parce que combien j'ai entendu, j'en ai vu des femmes dans mon Facebook ou des proches dire le cancer, je l'emmerde, le cancer, tu sais. Et puis toi, ben, tu l'as mis vraiment comme un apprentissage, puis c'est un apprentissage, puis souvent, il y a des liens tellement plus profonds que juste physiques. Il y a des liens dans l'émotionnel, il y a des liens dans ce qu'on a vécu, il y a des liens dans l'ADN, tu sais, parce qu'on voit, toi, qu'il n'y a pas juste toi dans ta famille, il y a eu ta mère, ta grand-mère. Alors, je voudrais que tu me parles un petit peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à te transformer? Qu'est-ce qui t'a amené? On voit que tu étais une personne qui était très dans la compétition ou qui avait besoin de performer. Alors ça m'a parlé, moi. Effectivement, j'ai été élevée et puis après, j'ai peut-être eu des expériences de vie professionnelles et personnelles qui ont fait que je me mettais une pression folle pour être parfaite parce que je pense que j'avais la sensation que si je n'étais pas parfaite, je n'allais pas être aimée, dans le fond. Mais ça, c'était inconscient. À côté de ça, je faisais quand même beaucoup de choses du point de vue de la santé holistique, c'est-à-dire je faisais des soins énergétiques. Donc je pense que ça m'a aidé quand même à rééquilibrer un petit peu mon corps, parce que sinon, à mon avis, je serais tombée malade beaucoup plus tôt. En tout cas, j'avais la sensation de faire ce qu'il fallait. Le problème, c'est que même si je faisais tous ces soins, j'étais dans un déni de la façon que j'avais de vivre. C'est-à-dire que je me poussais à bout en permanence et je répondais finalement toujours aux désirs et aux injonctions des autres avant les miennes. Et en fait, je me suis un peu perdue dans tout ça. Et je me sentais pas très bien. J'avais toujours un peu un fond de mélancolie, mais je cherchais toujours la solution à l'extérieur de moi. Donc j'avais toujours un nouveau projet, une nouvelle idée, et je cherchais sans arrêt à changer des choses dans ma vie pour que ça aille mieux. Et puis ça n'allait jamais vraiment mieux. Et puis finalement, quand ce cancer est arrivé, eh ben, il m'a obligée à tout arrêter, vraiment à tout lâcher. Et quand j'ai tout arrêté, j'ai senti un immense soulagement. Et là, je me suis dit, bah, c'est bizarre. Tu sens du soulagement. Comment ça se fait que tu te sens mieux alors que tu étais censé faire plein de projets stimulants et grisants? Et puis en fait, bah, c'est là que j'ai réalisé que j'étais pas très très heureuse et que j'ai commencé à ce processus en fait de comprendre pourquoi ça m'arrivait, ce que je devais apprendre de cette maladie, est-ce qu'elle n'avait pas un message pour moi? Est-ce que ce n'était pas l'opportunité de changer des choses en profondeur? Et effectivement, c'était l'opportunité de changer radicalement ma vision de la vie, ma posture face aux choses, et que tout parte désormais de moi et de mon ventre, et non pas de ce que l'on attendait de moi, ou de presque pire, ce que j'imaginais que l'on attendait de moi, Ah oui. de construction. Mais si on regarde au niveau des statistiques, là, j'ai cherché vite vite sur Internet, là, c'est quand même une femme sur huit qui va recevoir un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie. Donc, c'est 28 femmes sur 600 femmes auront été diagnostiquées avec un cancer du sein en 2022. Là, je ne sais pas si c'est les statistiques du Québec, là, je pense que oui. Et puis, moi-même, j'ai eu la maladie d'Hodgkin. Et cette maladie-là a duré. Bon, j'ai eu de la chimio pendant 6 mois, mais je sais qu'il y avait un lien émotionnel en arrière de ça. Et ça m'a parlé à un moment donné quand tu parlais de tes Oui. relations de couple, où tu donnais, donnais, donnais. Et j'étais exactement pareil. Exactement pareil.
Oui, c'est ça, on donne beaucoup et puis peut-être étrangement en plus, on s'attache à des gens qui ont cette tendance à un peu nous vampiriser, hein, comme par Ils hasard. sentent, hein, ouais. Et du coup, on a des gens qui en veulent beaucoup et donc quelque part après qui entretiennent cette pression pour qu'on continue à être toujours une superwoman qui gère sa vie, qui fait tous ses projets et puis qui en même temps continue de donner, donner, donner parce que c'est ce qu'on attendait. Et tu vois, dans la symbolique du sein, c'est typique, c'est vraiment l'organe nourricier féminin et c'est il peut y avoir un lien à nos propres enfants, c'est-à-dire comment on nourrit nos enfants, mais tout simplement comment on nourrit les autres aussi au sens plus large. Oui. Et voilà, j'ai vraiment vu ça très très vite. Je me suis dit, il y a quelque chose, tu ne te nourris pas toi-même, en fait, tu nourris tout le temps les autres. Et donc, ton corps vient t'interroger là-dessus. C'est Et ça. effectivement, c'était pas la vie que je menais n'était pas du tout nourrissante pour moi, c'est sûr. Mais quand tu l'as eu, ton diagnostic, tu n'étais pas dans un état très zen, tu n'étais pas heureuse d'avoir ça, surtout que tu as vu ta mère, ta grand-mère passer à travers ça. Oui, évidemment, je suis comme tout le monde, hein, j'ai été dévastée. En plus, effectivement, ma grand-mère était décédée quand j'étais toute petite, mais ma mère, je l'avais perdue très peu de temps, 2 ans avant, voilà, 2 ans en arrière avant de tomber malade. Donc, au début, je me suis dit, il fallait vraiment que je lutte contre l'idée que j'allais subir le même sort qu'elle, voilà, et que moi aussi, j'allais y rester. Donc, j'ai passé 2 bonnes semaines à pleurer, pleurer, pleurer. Je me rappelle, j'étais assise sur mon. J'avais un petit tapis en peau de mouton et j'étais assise dessus. Et j'écrivais plein de choses. J'écrivais des mantras positifs, des choses pour essayer de vraiment rediriger mes pensées vers quelque chose de plus positif. Mais au début, j'ai été comme tout le monde. J'ai été dévastée. Et puis c'est quand j'ai commencé à utiliser les thérapies alternatives pour comprendre, avoir des réponses, cheminer. Là, ça a commencé à aller un petit peu mieux parce que je me suis mise en action et que je me suis dit, allez, on va comprendre ce que c'est et on va en faire quelque chose de positif. Et là, ça a été beaucoup mieux parce que j'avais l'impression aussi de me rendre actrice de mes soins et de récupérer un petit peu de pouvoir. C'est-à-dire qu'il y avait les thérapies avec les médecins, la chimio, les rayons, les opérations, etc. Et puis, il y avait aussi la part que je pouvais faire moi. Et puis, j'ai découvert ce que j'explique dans mon livre que. Sans jamais se culpabiliser, finalement, on a une vie qui fait que malgré nous, on peut se fabriquer cette maladie, parce que ça reste nos propres cellules qui dégénèrent quand même. On se fabrique cette maladie, on ne fait pas exprès, c'est évident. Mais plutôt que de se culpabiliser, c'est se dire, bah, en fait, si j'ai eu le pouvoir de faire ça veut dire que j'ai aussi le pouvoir d'inverser le processus. Et c'est ça que c'est de ça dont je me suis aperçue, en fait. Je me suis dit, mais oui, tu as ce pouvoir aussi de pouvoir agir sur ta guérison, puisque tu as agi, malgré toi, sur ton déclin, sur ton corps. Et ça, c'est quelque chose de tellement, qui fait tellement de bien quand on s'en aperçoit, et qui permet de se mettre dans une démarche tellement vertueuse que ça aide pour tout, ça aide à mieux recevoir les soins, ça aide à avancer, à pas se décourager, même si il y a des moments de découragement, c'est pareil, il y en a plein. Mais J'ai voilà. une personne dans mon entourage quand j'ai dit que j'avais eu la maladie de Hodgkin qui m'a dit, ben, peut-être que tu n'aurais pas eu besoin de faire de la chimiothérapie. Mais moi, personnellement, j'aurais pas pris la chance d'essayer de m'en sortir sans la chimio. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. Et puis, dans ton cas, et puis comme dans le mien aussi, moi, mon cancer était très virulent. Il était Ça très se avancé. peut. Et à un moment donné, il faut éteindre le feu. On ne peut pas se dire qu'on Exact. va juste se soigner avec des pensées positives ou un changement de paradigme personnel. Ouais. Ce n'est pas très réaliste. C'est Il ça. y a toujours des exemples qui circulent et peut-être que ça existe, peut-être. Mais moi, jamais je prendrais ça parce que moi, j'ai vraiment eu besoin des médecins pour s'assurer que je survive, déjà dans un premier temps. Et une fois que la survie, elle était actée, eh ben on pouvait s'attacher à comment vivre et vivre pleinement. Mais c'était vraiment dans l'union des forces entre la médecine et les thérapies alternatives et mon travail personnel, c'est tout ce triptyque-là qui a fait que ça a pu aller mieux. Et oui, non, c'est vraiment nécessaire d'aller main dans la main avec les soignants et de se donner toutes les chances. Et il y a autre chose aussi, c'est le pouvoir aussi de notre pensée, c'est-à-dire que si tu l'avais pas fait, tu aurais peut-être eu au fond de toi un tout petit doute que tu n'avais pas fait tout ce qu'il fallait. Et Exact. du coup, ça t'aurait rongé jusqu'au point peut-être de reprovoquer des symptômes, parce que tu te serais peut-être dit, j'ai pas fait tout ce qu'il faut, ça peut revenir. Alors Exact. quand on a le sentiment d'avoir fait
tout, absolument tout, d'avoir obéi aux médecins, même quand ça ne nous arrangeait pas, d'avoir fait tout, bah, en fait, on a une satisfaction et une sérénité qui font qu'on est beaucoup plus armé pour la suite. C'est pour se dire, c'est bon, ça ne reviendra pas, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. J'ai aimé la phrase où tu disais que ça prenait toute une tribu pour vaincre un cancer. C'est ça. Ah oui, c'est vraiment ça. Ouais. Voilà, il faut plein de gens autour de T'as soi. Alors... aimé. Oh, je m'excuse de te couper. J'ai aimé que tu parles de Solange. Solange qui t'aidait dans les soins. Et elle pouvait détecter. Elle donnait des soins énergétiques. Elle pouvait détecter les organes en souffrance ou les zones de blocage énergétique. Et même ta mère lui a rendu visite. Oui, c'est Solange, c'est un personnage incroyable. C'est d'autant plus incroyable que c'est quelqu'un qu'on m'a conseillé. Tu sais, ici en France, on appelle ça des rebouteux. C'est les gens à la campagne qui ont des dons. Des Et rebouteux. ouais, les Peut-être rebouteux. que chez nous, au Québec, on appelle ça des ramancheurs. Ramancheur, c'est ça, il va ramener les membres d'une certaine façon mieux. Je ne sais pas si ça a un lien avec les rebouteux. Peut-être c'est un peu pareil. En tout cas, c'est des gens qui ont un don énergétique. Souvent, c'est des magnétiseurs. Elle est magnétiseuse, Solange. Et en fait, elle fait vraiment don de son temps à côté de son travail. Elle a un travail tout à fait classique par ailleurs. Mais quand elle rentre, eh ben, c'est son truc, c'est d'aider les autres et de ne rien demander en retour. C'est très très dur hein, de rien lui donner. On finit toujours par lui faire un cadeau ou quelque chose parce que ouais, elle apporte tellement. Mais en tout cas, ce que j'ai aimé, c'est ce truc de dire, il n'y a pas d'échange d'argent. Donc on peut pas la taxer de vouloir utiliser les gens ou essayer de les convaincre pour leur soutirer de l'argent. Non, il n'y a rien de tout ça. Et en même temps, elle a des dons, oui, de voyance. Elle a des fulgurances de voyance. Elle a des. Moi, je suis arrivée. La première fois, elle m'a dit, ben, Adeline, vous avez tout ça. C'est pas dans vos gènes. Hein. C'est parce que de grand-mère en petite fille, vous voulez être parfaite. Voilà. Pour... Ah, voilà. Et c'est elle qui me sort ça. Je l'avais déjà un petit peu pensé, mais en fait, elle me le fout sous le nez. Je vais. Oui, d'accord. Alors qu'elle me connaissait, mais absolument pas. Voilà, elle me sort ça. Formidable. Et puis après, oui, ma maman qui est venue lui rendre visite, ouais, c'était très, très drôle parce que elle me sort ça entre la poire et le fromage, comme on dit chez nous. Alors, bah oui, tiens, en fait, elle m'a même dit, j'ai eu votre mère en ligne, donc depuis votre... C'était, ouais. Et puis, mais ta maman, je pense qu'elle a perdu patience parce qu'elle voulait lui dire quelque chose. Puis je pense qu'elle comprenait pas ou c'était quoi déjà. Elle comprenait pas en fait. Elle me dit, mais elle me parlait d'une certaine Claude et de trucs de famille et puis de, elle voulait que vous emmeniez votre fils chez je sais pas. C'était pas une psychologue, c'était quelque chose comme ça, mais je comprenais pas. Elle me disait ça et je lui dis mais c'est incroyable. Je lui dis Solange, j'ai mon grand-père Claude. C'est pas Claude au féminin, c'est Claude mon grand-père. Qui, d'un seul coup, comme ça, sans que je l'explique, il y a 3 jours, s'est mis à me donner des portraits de famille qu'il fallait absolument que j'aie, mais comme ça, sans raison. Donc, je pense que c'était ça qu'elle voulait faire passer. Donc, elle est passée par lui directement. Et puis, j'avais ma meilleure amie qui m'avait conseillé de prendre rendez-vous pour mon fils chez une psychomotricienne. Et j'avais pris rendez-vous le matin même, en fait, où je voyais Solange. Et elle me dit, ah ben oui, c'est ça, c'est psychomotricienne. Je ne savais pas ce que c'était. Ah. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Et apparemment, ma mère lui aurait dit, ah bah, je vais trouver une autre solution. Donc, elle a trouvé une autre solution. Ma maman, elle est passée par ma meilleure amie. Et puis, elle a dû Wow. moyen, je ne sais pas, que mon grand-père ait l'idée saugrenue de me donner des vieux cadres. Je sais pas, j'ai même pas compris pourquoi je devais les avoir. Mais ils sont toujours là chez moi. Et je me dis, un jour, je vais avoir une révélation de Ouais, pourquoi c'est c'est ça. important que j'ai ces cadres-là chez moi. Mais ça prouve que nos personnes décédées, ils sont là pour nous aider, hein, de l'autre côté. Est-ce que tu as eu d'autres contacts avec ta maman avant ça, après ça? Avant ça, j'avais pris contact avec elle, mais très très tôt après sa mort, le frère de ma meilleure amie est médium et j'avais demandé de communiquer avec elle. Alors c'était à la fois génial parce que je l'ai complètement reconnue. En plus, elle m'a parlé de ses funérailles et puis elle m'a dit des choses qu'elle m'avait dit aussi sur son lit de mort parce qu'elle a vraiment programmé sa mort, ma maman, hein, je le raconte. Et du coup, c'était presque trop tôt. Et là, je me dis, j'aurais attendu un an. Bah, ça aurait été peut-être plus riche parce que là, à la fois, voilà, je l'ai parfaitement reconnue et je me dis, bah, j'ai entendu, oui, des choses qu'elle m'avait déjà dites.
Non, pas, j'ai pas eu besoin de renouveler ça. En revanche, je vois des heures miroirs tout le temps parce qu'elle est morte à 20h20. Enfin, il y avait plein de signes autour de sa mort, avec des chiffres miroirs comme ça. Et régulièrement, le 20-20 revient tout le temps dans ma vie d'une manière ou d'une autre. Et moi, j'y vois quelque chose, voilà, d'un peu divin. Et je me dis, elle est là, voilà, elle veille sur moi. Ta maman avait fait un cheminement personnel, hein, de développement personnel avec son cancer. Et je pense que tu as mentionné que dans le livre, tu avais compris des choses, puis que ça probablement que ça arrêtait à toi au niveau de la lignée. Oui, je suis la troisième de la lignée. Moi-même, j'ai pas eu de fille. Enfin, j'ai eu un petit garçon. Donc, de là, il y a quelque chose qui est de l'ordre La d'arrêter compréhension. la compréhension. Et clairement, moi, j'arrive à l'époque où, ben voilà, je suis le réceptacle de toute cette douleur familiale, toutes ces choses qu'on s'est transmises parce qu'il y a de très bonnes raisons à cela. Je continue à enquêter et à découvrir des choses. Voilà, c'est ma grand-mère, hein, maternelle qui a eu un traumatisme. Et ça a généré ça chez elle, ce besoin d'être parfaite pour survivre, littéralement. Et qu'elle Je m'excuse, t'en fais mention dans ton livre, ta grand-mère, son traumatisme, c'était quoi? J'en fais pas mention parce que je ne le savais pas encore à ce moment-là, quand j'ai Ok. écrit. Je l'ai découvert Est-ce que il tu peux le partager, sinon ça vaut? y a... Oui, je peux le partager. J'ai découvert qu'elle avait en fait subi un inceste. Ah, Et que cet inceste avait dû être camouflé, caché. Et qu'elle a dû, du coup, faire bonne figure, ne surtout pas en parler, faire le bon petit soldat et que tout soit parfait parce que c'est ce qu'on attendait d'elle. Et je pense que c'est parti de là. Et parce que, voilà, quand j'avais discuté avec des spécialistes en blessures transgénérationnelles, en psychogénéalogie, on m'avait expliqué que ce qui se transmet comme ça dans la lignée, c'est vraiment des chocs tellement forts que c'est vraiment de l'ordre de la survie, c'est-à-dire que c'est des comportements qui sont vraiment liés à la survie. Et là, c'était clairement le cas. Et du coup, il y avait voilà, une lignée de femmes fortes qui assument, qui assurent, qui gèrent toutes seules. Ma mère, c'était l'exemple parfait de ça aussi. Et ma mère, elle a fait un cheminement incroyable. Elle a compris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais elle n'a pas réussi à aller au bout de ça. Et elle n'a pas réussi à complètement transcender cette partie-là d'elle. Pas complètement. Et puis après, c'était aussi peut-être son chemin de vie qui devait se dérouler. Il s'est déroulé. Elle a quand même eu une belle rémission hein, pendant quelques années. Donc voilà, il y a des choses qui ont vraiment bien marché. Mais puis à la fin, elle en pouvait plus surtout. Elle a lâché prise, quoi. Voilà, elle a arrêté. Parce que c'était trop. Elle avait vraiment cette sensation qu'elle n'avait pas réussi. Mais c'est pareil, elle était dans la notion de performance, de réussir même sa guérison. Et c'est un petit peu. Dans lequel j'ai pu être moi au début aussi. J'avais ce truc, je voulais absolument performer ma guérison. Et il a fallu que je lâche ça aussi, parce que finalement, tu vois, cette idée d'être toujours parfaite et performante, j'avais même en fait, fallait que je réussisse mon cancer, tu vois, c'était complètement fou. Et moi, ça s'est matérialisé parce que mon oncologue, il m'avait fait un plan de combat avec chimio, opération, rayon, poum, ok, ça devait être comme ça. Et puis à la fin de tout ça, il m'a dit. Ce serait bien que vous repreniez un petit peu de chimio médicamenteuse. Et j'ai hyper mal vécu parce que déjà, j'en pouvais plus. Et puis, j'ai vraiment eu cette sensation d'une trahison de sa part. Je disais, non, mais je ne veux plus. Je voyais pas qu'il voulait mon bien. J'étais complètement fermée à l'idée. Et puis, c'est mon ostéopathe un jour qui m'a dit, mais Adeline, vous n'êtes pas obligée de porter tout ça à bout de bras, votre guérison, là. Vous n'êtes pas obligée de la réussir toute seule, vous savez. Vous pouvez avoir de l'aide et ce qu'il vous propose, c'est de l'aide et c'est plutôt une preuve, c'est plutôt de l'amour en plus, c'est vraiment C'est beau de ça. voilà, de la pure générosité. Il veut. Et ça m'a fait switcher. Je me suis dit, bah oui, en La fait, c'est. compréhension ou la croyance de ça. Ouais. Et je partais dans mes travers exactement. Voilà, c'était comme si j'avais raté l'examen parce que j'avais pas réussi à annuler. Enfin oui, à annuler. C'est-à-dire qu'à la première chimio, il restait un résidu de 2 mm de tumeur. Bah, j'avais pas réussi à tout enlever avec la chimio, comme si j'y étais pour quelque chose. Tu vois, j'avais cette sensation d'échec. C'était fou. Donc comme quoi, c'est un long process, un long chemin pour aller vers la sagesse quand même. Hein.
Mais l'espèce de culpabilité aussi. Je sais pas si tu remarques, mais dans le développement personnel, tu sais, il y a des gens qui n'ont pas passé à travers des épreuves comme ça, qui vont dire, ben là, c'est sa faute, elle avait un bas trop vibratoire, etc., etc. C'est tellement des cheminements, c'est tellement plus profond que ça. J'ai aimé ton bout où tu as rencontré Lise Bourbeau, qui a écrit Les cinq grandes blessures, c'est ça, les cinq grandes blessures. C'est une Québécoise qui a écrit divers livres là, à ce sujet. Et puis, donc, tu as fait une rencontre visio. Pourquoi tu voulais la rencontrer? Ben, Lise Bourbeau, déjà, moi je la connaissais depuis de nombreuses années. Et surtout, elle a écrit un livre sur le cancer, qui s'appelle Le cancer, un livre qui donne de l'espoir, je crois, quelque chose comme ça. Et quand je l'ai lu, j'ai découvert sa théorie à elle, c'est que le cancer est déjà, c'est une blessure d'amour, mais c'est aussi une problématique avec le parent du même sexe. Oui, c'est Pour ce le que je parent du voulais que tu même sexe. mentionnes parce que Ouais. c'est moi, quand ma maladie s'est déclarée, j'habitais chez ma mère. J'étais temporairement chez ma mère et la relation en étant chez elle, ça a comme il y a quelque chose en dedans moi qui a explosé. Fait que quand j'ai lu ça, je me suis dit, oh mon Dieu, faut que tu m'en parles, faut que tu en parles parce que c'est hyper important. Je le savais pas. Alors, on pouvait lire le livre de Lise qui est formidable et elle m'a réexpliqué dans son interview. C'est vraiment, voilà, en fait, on a une problématique avec notre, quand on est une femme, voilà, on a une problématique avec notre maman, Ouais. mais on a l'impression que tout va bien. C'est-à-dire, Exact. Lise m'expliquait, elle m'a dit, bah, quand j'interroge les gens, comment ça va avec ta maman? Bah, en général, les gens répondent, bah, ça va, ça se passe bien. Et moi, ma mère, à la fois, je l'adorais, mais j'aurais énormément de mal à lui dire que je l'aimais. Et puis, j'avais tout le temps l'impression qu'il y avait trop d'ingérence dans ma vie. J'étais vraiment vulnérable. À chaque fois, j'étais très sensible à son avis. C'était compliqué, c'était un peu lourd pour moi. Et en fait, en lisant le livre de Lise, je me suis aperçue que finalement, je cultivais pas mal de colère rentrée à l'égard de ma maman. Et donc, de là, j'ai commencé à me poser la question de savoir pourquoi. Et c'est là que j'ai aussi capté que ben, il y avait toute cette enfance où, bien malgré elle, elle m'avait aussi mis la pression. Et je pense que je l'ai senti. Et que j'étais un peu finalement en rébellion. C'est qu'à la fois, j'avais envie de lui dire Maman, tu m'emmerdes. Et puis d'un autre côté, j'étais tellement dressée à être docile, obéissante, sage, bien parfaite, que je m'appliquais à être cette bonne fille que je devais être. Et donc j'étais coincée dans ce rôle. J'arrivais pas à lui parler, ma mère, en fait. J'arrivais pas à lui dire de façon authentique. Ce qui me pesait. Et du coup, ça m'a sauté aux yeux quand j'ai lu le livre de Lise. Et ça m'a vraiment aidé dans mon cheminement à déconnecter quelque chose, à changer, à reconnaître en fait la colère que je pouvais avoir ressentie. Et surtout à pardonner inconditionnellement à ma maman, même si elle était dans l'au-delà. De pouvoir vraiment dire bah, en fait, je sais que tu as fait de ton mieux, c'est pas grave. C'est ça. Et le pardon a fait énormément, je pense, aussi pour ce processus de guérison, parce qu'il y avait besoin de ça. Et Lise a été super, c'est vraiment une grande dame. Et elle m'a réexpliqué tout ça, voilà. Voilà, vraiment, je vous invite à lire aussi son livre à elle, si ça vous intéresse, qui détaille vraiment, vraiment bien ce mécanisme-là. Toi aussi, tu parles dans ton livre de différentes personnes je pense que c'est un psychiatre, on parle du transgénérationnel, de l'ADN, de l'épigénétique. Oui. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Qu'est-ce que tu as appris en lien avec ça? Ben en fait, les médecins, on peut faire des tests génétiques purs pour repérer les gènes mutants éventuellement responsables du cancer du sein ou aussi responsables du cancer des ovaires, de l'utérus. Et ils se sont dit que j'étais un cas d'école. J'étais la troisième génération, c'était sûr que j'avais quelque chose. Ça c'est. Ma mère avait déjà fait les tests qui étaient négatifs, sauf que dans mon cas, on a testé encore plus de gènes parce qu'ils font des progrès en permanence. Et je crois qu'ils ont testé une vingtaine de gènes et pas une seule mutation. Donc je me suis dit, bah, si ce n'est pas des gènes qu'on s'est transmis, et comme l'avait dit ma magnétiseuse Solange, c'est quelque chose d'autre, voilà, c'est un tempérament qu'on s'est transmis. Donc je me suis dit, mais comment on se transmet ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'où ça part? Alors,
Je pense qu'on n'a pas toutes les clés, mais il y a une clé quand même, et les scientifiques vraiment se penchent dessus, c'est l'épigénétique. Du coup, je fais référence à un article de l'INRES, hein, dans mon livre. C'est ça. L'épigénétique, c'est qu'en fait, on a cette capacité non pas à changer notre ADN, mais finalement, nos chocs créent des marqueurs sur notre ADN. C'est comme Wow. si on mettait des petits, des marques au feutre noir, et ces marqueurs-là, ils se transmettent de génération en génération. Et c'est ça qui pourrait perpétuer des choses, des répétitions familiales. Et il y a des psychiatres, psychologues qui se penchent aussi sur. Il y a Anne-Ancelin Schützenberger, son nom est compliqué à dire, Oui. qui a étudié toute sa vie les répétitions comme ça transgénérationnelles. Elle a écrit un livre qui s'appelle Aïe mes aïeux, et avec mais, alors, des maladies qui se répètent, des suicides qui se répètent, des dépressions, et même des noyades. Des noyades quasiment au même âge d'une génération. Enfin, des choses où tu te dis, mais c'est pas possible en fait. Dans Qu'est-ce la que c'est? famille de ma mère, la plupart des hommes sont décédés de façon assez drastique. Ses frères, là, des accidents de voiture, beaucoup des accidents de voiture. Et puis, ouais, c'est étrange. C'est des choses très très étranges. Alors, est-ce que c'est. Là, on se demande, parce que pour un accident, on se dit, bah, d'où ça vient, d'où ça sort, c'est peut-être même pas l'épigénétique, c'est peut-être encore quelque chose d'autre dont on ignore tout. Mais en tout cas, pour tout ce qui est comme ça, blessure, trauma, bah, il semblerait que ça Physique, ouais. se transmet comme ça. Et ça se transmet aussi, ça fait vraiment écho chez à une génération d'écart, c'est-à-dire qu'en fait, moi, typiquement, c'est vraiment avec ma grand-mère que j'avais le plus de points communs. Je suis tombée malade exactement au même âge qu'elle, vraiment exactement. Et du coup, je me dis, et je crois que c'est le même côté en plus, c'est le même sein. Donc il y a une répétition qui se fait avec elle qui est assez spectaculaire et Et je pense puis, elle vraiment. avait ta mère qui avait 8 ans, puis toi, tu avais ton garçon qui était 6 ans. Ouais, c'est ça. Il y a aussi dans le contexte qui se fait effectivement. À l'époque où je suis tombée malade, ma maman était jeune mère et moi j'avais effectivement 5 ans. Et quand moi je suis tombée malade, mon fils avait 5 ans. Enfin bref, il y avait des choses assez bizarres comme ça. Et oui, je me suis dit c'est trop troublant et je pense que j'ai vraiment reçu encore plus que ma maman les traumas de ma grand-mère. Et que je suis toujours en train d'en nettoyer. Mais là, maintenant, c'est plus dans C'est le domaine. fou que tu dis ça. J'ai ce sentiment-là où je l'ai lu en quelque part. C'est comme si on ressemblait à nos grands-mères. Parce que moi, j'ai ma petite fille Lily qui est aussi sensible que moi, hyper sensible. Ma fille, elle l'était pas. Puis on se transmet ça de comme ça. Oui, c'est exactement ça. Et par exemple, il y a vraiment des études nourries sur les survivants des camps de concentration, où les enfants, bon, bah, les enfants de cette génération-là ont vécu comme ils pouvaient. Et c'est les petits-enfants, très, très, très éloignés, qui sont mis à faire des cauchemars, des choses comme ça, des réminiscences en fait d'enfermement ou de vraiment des terreurs quoi et tout petit et ça il y a plusieurs psys aussi qui documentent ça, c'est assez impressionnant. Ils ont en eux cet héritage-là, ils l'ont pas connu, ils en ont peut-être même pas encore entendu parler parce qu'ils ont 5-6 ans, mais ils ont des choses qui se passent en eux, c'est quand même fou. Donc, la conclusion de ça serait d'essayer de guérir ça pour les prochaines générations, en quelque part, de faire des prises de conscience. Oui, les prises de conscience sont hyper importantes et puis par le biais de certaines thérapies avec pareil, certains psychologues, on peut faire des formes de régression, de pouvoir un peu avec de l'hypnose, de pouvoir aller finalement quelque part parler à notre ancêtre et lui restituer ça, lui rendre ça et ne pas le garder pour soi, enfin voilà, ou le rendre à l'univers en tout cas, mais que ça sorte de nous. Il y a des techniques, voilà, plus ou moins connues, mais ne serait-ce que déjà être en conscience des choses, c'est beaucoup. Et puis après, quand on est en conscience, on peut trouver les moyens d'aller le nettoyer. Et moi, je continue de nettoyer des choses encore Ouais, maintenant c'est ce que j'allais te demander. bien avec le, ça n'a plus de lien avec le cancer parce que je vis bien, mais ça a des liens avec encore ma façon de, bah, mais moi, ma façon de vivre mes histoires d'amour, par exemple. Et là, j'ai compris des choses énormes encore récemment et qui m'aident beaucoup à complètement changer
ma manière d'avancer dans ce domaine-là et qui, j'en suis sûre, vont énormément m'aider parce que je de répéter des schémas en fait. Voilà, et ça, il y a aussi du transgénérationnel de ma grand-mère paternelle pour le coup là-dedans. Voilà, on est l'héritage quand même de deux lignées, hein, faut pas oublier. Et j'ai découvert aussi d'autres choses dans la famille du côté de mon papa qui sont pas faciles non plus. Et c'est vrai qu'en plus, nous, on est une génération, tu vois, nos grands-parents quand même, et nos arrière-grands-parents encore plus, mais la vie était encore hyper dure, quoi. Et puis, le patriarcat à fond, donc voilà, les viols, les incestes, les agressions, les mariages forcés. Oh, mais en fait, mais quelle horreur! Donc forcément, nous, notre génération Vraiment. de femmes, mais on hérite de tout ça. On Et nettoie tout ça. on nettoie tout ça. Donc, par contre, là où la vie est bien faite, c'est qu'on nettoie tout ça à une ère où il y a de plus en plus de gens qui ont des dons, qui ont conscience, où on partage l'information, on peut diffuser, et au moins on a les outils aujourd'hui. Ma grand-mère, c'est sûr qu'elle n'avait pas le tiers des outils que j'ai aujourd'hui pour pouvoir ne serait-ce que réfléchir au fait que peut-être c'était lié à Oui, une question non, c'est ça. émotionnelle, quoi. Non, Voilà, on genre. n'aurait pas pensé à ça à cette époque-là. Non, l'inceste, c'était très courant dans les familles. Il n'y avait Malheureusement. rien d'autre à faire. Il n'y avait pas d'Internet. C'est une blague triste, là, mais c'est ça. Écoute, merci beaucoup, Adeline. Et puis, je trouve que ton récit est important. C'est important qu'on ait chercher en dedans nous, puis de voir ça comme une chance, voir ça comme une chance de grandir, puis d'être plus heureux, parce que je suis certaine que tu es plus heureuse aujourd'hui. Oui, c'est vraiment, je le dis et je l'écris, la meilleure chose qui pouvait m'arriver, aussi surprenant que ça soit, parce que j'ai compris tellement de choses et je me suis tellement réalignée. Là, j'ai plus cette mélancolie qui me collait à la peau. J'ai un bonheur qui est profond et qui se travaille toujours. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut toujours le garder, il faut faire attention à soi. C'est l'amour de soi. Voilà. Faut être vigilant de ne pas se laisser à nouveau déporter. Mais c'est pas si compliqué en fait quand on a compris et quand on sait, quand on touche du doigt ce qui est important. Et c'est tellement joyeux quand on y arrive. Et voilà, et là maintenant je sais ce que c'est que voilà le vrai bonheur. Même le bonheur n'empêche pas les peurs, les angoisses, les emmerdes aussi. Hein. Voilà, c'est pas ça le bonheur. C'est pas être préservé de tout. C'est juste Non. avoir la sensation qu'on est tellement aligné que bah, on fait face. Et ça glisse, et on peut gérer, voilà. Et on ne vient pas entamer en fait ce que l'on vit. C'est ça. C'est que en fait, même si on tombe, on se relève beaucoup plus vite. Tu vois, il y a des prises de conscience. Puis je sais que moi, au niveau émotionnel, c'est très différent d'avant. Je vais me donner le droit aussi d'avoir des peurs, des manques, des ci, des ça. C'est déjà une pression de moins. Donc, mais un grand merci. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on termine? Là, comme ça, spontanément, non. C'est vrai que voilà, je raconte. Si je peux dire, j'ai vraiment été très, très authentique dans ce livre et j'ai tout Oui. livré, vraiment tout donné, sans aucun filtre. Et ça me tenait à cœur de raconter les choses telles que je les ai comprises et avec tout ce que j'ai compris sur moi-même depuis mon enfance, tout mon fonctionnement. Et donc, l'idée pour moi, c'était juste de raconter mon expérience et qu'éventuellement ça fasse écocher les gens. C'est pas un mode d'emploi. Si vous faites comme moi, vous guérirez. C'est pas du tout, du tout, du tout comme ça que je l'ai fait. C'est vraiment, voilà, bah, moi j'ai vécu ça, j'ai compris ça. Et si toi, ça peut t'aider de le lire, eh ben, je serais très heureuse parce que c'est vraiment pour ça que je l'ai fait. Je me dis que cette expérience-là, si elle peut profiter à d'autres et permettre à d'autres de juste de faire émerger cette petite idée que, ah oui, il y a quelque chose à aller chercher du côté de la maman, ou que, ah mais qu'est-ce qui s'est passé dans la famille, ou simplement, puis comment je fonctionnais moi quand j'étais enfant, mais c'est vrai que là quand même, il y a un problème, il faudrait que je revoie ça, bah, c'est génial, parce qu'on se met, on avance, quoi. Et ça, c'est vraiment chouette. Merci beaucoup. C'était très agréable de partager avec toi. Je vais inviter les gens à se procurer le livre. Si vous connaissez aussi des femmes dans votre entourage qui en auraient besoin, et même et puis partager l'entrevue. Merci, un énorme merci. Au Merci, revoir. merci, merci. Au revoir.